Mesdames et messieurs, bonjour, moi c'est Thérèse Bazi. Je suis la voix de sans voix. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va. Voilà, ce matin, je suis devant Kedjebo Seydou, c'est vrai. Mais nous sommes en janvier là. Nous sommes en janvier. Hein? Quand on commence une année, c'est un combat. Quand on termine une année, c'est un combat. Il faut toujours être sur ton 31 pour te défendre. Parce que si toi, tu ne te défends pas, qui viendra te défendre? Qui est-ce qui va se battre pour toi? C'est toi. Donc, janvier qu'on a commencé là. Pour que tu termines ça propre. Pour que tu termines ça bien. Pour que tu termines ça dans le bonheur. Il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle Kedjebo Seydou. Monsieur, oui, madame. Bonjour. Bonjour, maman Bazé. Tu sais, bonne heureuse année à tout le monde, à tous. Je souhaite bonne guérison à toutes les malades, à toutes les gens qui sont dans les problèmes aujourd'hui, pour que leurs chances puissent revenir à leur place, pour que tout ce qu'ils ont fait, comme la prière, ça n'a qu'à prendre. Mais je vous dis que cette année, c'est une année pour un bonheur. Et puis, il y a les années aussi qui sont dedans, qui sont là, qui poussent aussi des mauvaises choses, qui envoient des malades, les maladies qui sont dedans. Et il y a le bonheur. Tout ce qu'on demande, on souhaite que le bonheur aille devant de toutes les choses. Et puis, la santé. Mais la santé, toi-même, tu cherches la santé. Mais le sorcier te balance toujours ce qui est malheur. Tout ce qui est comme malheur. On peut bloquer ta chance, tes étoiles, on peut attraper. Parce que s'il regarde le début de l'année, comment telle personne va terminer son année? Comment il va terminer son année? Parce que si il regarde que son année sera, il sera heureux dans l'année 2021. Quand on est dedans, c'est dans ça là, il commence à bloquer dans le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il commence à te bloquer depuis 2021. Voilà, 2020. Jusqu'à vous rentrer en voilà, 2022. Dès qu'on te bloque comme ça, tu ne peux plus t'en sortir. C'est très très grave. Donc c'est le moment de dire à mes parents, mes frères, mes soeurs de se lever. Pour qu'aujourd'hui nous tous on puisse rire ensemble. Parce que le malheur ne représente pas quelqu'un. Un homme, il faut être heureux dans ta vie. Avoir ta santé et ton bonheur. Et t'occuper de tes enfants. Vivre correctement avec ta petite famille propre. Ok. Donc, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu nous conseilles aujourd'hui pour rentrer dans la nouvelle année là? Qu'est-ce que tu nous conseilles au juste? Parce que je veux que tu nous conseilles tous, hein, nous les femmes, les garçons, les mariés, les non mariés, nous tous là. Il faut 10 pour chacun. Voilà. 10 pour chacun. Donc on va étape par étape. On va aller étape par étape. Voilà. On commence par les mariés. Aujourd'hui, comme ça, tu es dans un foyer depuis l'année 2021, tu n'es pas sorti dedans. On ne t'a pas marié, tu n'as pas eu ton mariage dedans. Tu ne vas pas rester toujours derrière le monsieur sans te porter bague. Il faut que le monsieur te connaisse pour dire qu'aujourd'hui, je me suis marié légalement. Et là, le monsieur aussi, il est là. Le monsieur veut se marier légalement, mais n'est jamais tombé sur une bonne femme qui peut faire ses affaires. Toujours, la dame est là. Une semaine, deux semaines, la dame s'en va. Le monsieur est découragé de se marier. Pour se marier, même quand il prend les femmes, il pense que ce n'est pas de sa faute. Mais c'est ce qui est derrière lui. Nos soeurs, aujourd'hui, les problèmes sont devenus beaucoup. Je vous en prie beaucoup. L'année qu'on est dedans, viens voir, consulte-toi pour regarder bien comment l'année là va terminer avec un bon foyer pour que toi-même, tu me couses au moins un veste, si je n'ai jamais porté veste, pour aller m'arrêter devant dans ton mariage pour dire que non, tu ne vas pas me présenter, mais pour dire que non, c'est grâce à telle personne que je suis devenu quelqu'un. Ah oui, mais on dit que quand il y a les mariages là, on vient te prendre pour surveiller les mariages, c'est ça? Non, mais ça dépend. Je surveille les mariages parce que si... Les gens me connaissent. Quand je suis en boubou, les gens me connaissent. Mais quand je suis dans un tunis, tu ne peux pas reconnaître. Je peux t'aider. Basé, tu t'es marié demain. Ah, papa, ce que je peux faire pour toi, va si c'est mon mariage. Parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je suis devant le maire. Donc, c'est normal que je parte là-bas. Assister, il y a deux cas aussi. Parce qu'il y a d'autres aussi. Quand le, tu vois, il y a des gens qui se marient aujourd'hui. Après le mariage même, c'est ça le problème mari. C'est là, hein. Quand le monsieur ne s'est pas encore marié, la dame n'est pas encore mariée, ça va. Mais le juge porte bas parce que tu sais, il y a des gens qui se préparent spécialement pour venir détruire ces gens de trucs qui n'aiment pas le bonheur des gens. C'est ça. Donc ça fait mal. Donc tout ça là, il faut regarder ça pour organiser demain. Pour que demain, quand tu te maries, tu dois être heureux dans ton foyer. Mais moi, toutes mes soeurs, je veux qu'elles se marient. Parce que quand elles se marient, aujourd'hui, quand tu viens, papa, voilà ton cadeau. C'est ce que je souhaite. Voilà. Ok. Maintenant, je suis une élève. Je vais à l'école. L'année 2021, c'était noir pour moi. On s'en va, on est maintenant rentré dans 2022. Toi, Kedjebo Seydou, qu'est-ce que tu me conseilles? Ça. Regarde, quand je vais à l'école, quand on m'interroge, je connais. Mais quand le professeur parle,
c'est perdu. Ou bien, le tableau est toujours noir pour moi. Pourtant, ils ont écrit en blanc dessus. Ça, c'est vrai. J'ai dit, ça, on a un savon, On a un savon spécialement. Ça, c'est ça qu'on appelle du vrai sorcellerie. Parce que c'est toi, on a vu déjà tes étoiles venir. On a vu qui sera demain. Parce que si tu connais papier, tu seras quelqu'un. Et si tu ne connais pas que tu es au village, ou bien tu es quelque part, tu es en train de boire bandit dans le coudron, toujours couché. On ne peut plus parler de toi. On ne peut plus. Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, que quand l'élève ne brille pas, ce n'est pas de sa faute. L'enfant étudie, mais ça ne va pas. Ce n'est pas de sa faute. L'enfant vient. Si je le consulte, il y a des choses à préparer pour lui. Quand l'enfant va commencer à laver, le sel ne se dit pas qu'il est doux, mais c'est en mangeant. Quelques moments, tu vas voir que l'enfant va dire à le père ou bien à la maman, ah papa, dans ces deux jours-là, ça commence à aller. Ce n'est pas l'enfant qui va venir te dire. Après, tu vas voir son bulletin. C'est dans le bulletin que tu vas voir que si tu es venu chez Kedjebo, il t'a menti, tu vas voir le résultat dedans. C'est le récompense de Kedjebo qui est là. Ok, bien. On prend ce cas-là, par exemple. Chaque fois que je prends grossesse, à 8 mois ou bien 7 mois, bah, ça tombe. 8 mois, 7 mois, ça tombe. On est dedans depuis des années. Je rentre à gauche, je rentre à droite, je vais partout. Kedjebo, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Pour que moi, je puisse faire mon enfant. Si ton ventre est devenu un terrain de football, mais tu ne peux pas prendre. Est-ce que terrain de football, là, gazon, là, quand on nettoie dessus, même quand ce gazon, là, pousse, qu'on vient jouer dessus, deux jours, trois jours, ça va comment? Ça, on tue. Ouais. Ça s'abaisse, hein. C'est comme le ventre. Les sorciers, là, des fois, ils te laissent jusqu'à. Si Dieu merci, tu as eu la chance, l'enfant, qu'on ne le connaît pas. Qui n'est pas dans le monde, c'est un peu mieux. Des fois, on vous prend les deux en même temps. Il y a plein de cas comme ça qu'on voit. Quand la femme prend une grossesse, des fois, on les noie jusqu'à... La femme même n'a pas d'enfant. Lui-même, au moment, peut prendre une grossesse. Et puis, paf, on les prend les deux en même temps. Et quand c'est comme ça? Il faut venir. Quand tu vas venir, la personne qui fait ça pour toi, la personne qui est de la famille, ou bien si c'est quelqu'un qui est en train de préparer ça, là, qui est en train de te fatiguer, tu vas voir qu'on va te donner un médicament. Quand tu vas commencer à te laver, tu ne vas pas dire le nom de quelqu'un. Mais la personne même, ça va venir, il va venir avouer devant toi. Pour dire que c'est moi, je suis en train de vous fatiguer, que les enfants que vous ne gagnez pas, c'est grâce à moi que ça se passe comme ça. La personne va venir me dire. Elle va venir te dire. Ok. Tu as compris bien, non? Oui, mais que Dieu conseille tout. Chaque année, une femme se marie, son mari meurt. Elle trouve un deuxième mari, il meurt. Elle trouve un troisième mari, il meurt. Là, elle en fait quoi? Des fois, c'est un peu grave. Parce que des fois, il y a des génies qui sont dans le bois. Ils n'aiment pas que les femmes se marient. C'est les génies là qui frappent mal. Et ils n'aiment pas, et ils ne font pas des choses faciles. Ils tuent seulement. Donc, si tu n'as pas cherché à nettoyer ton génie, tu ne peux jamais te marier. Et tu vas devenir sorcière dans votre famille. Ok. Ton numéro, s'il te plaît? Le 07 57 60 11 71. Le 05 46 90 24 44. C'est le numéro de Kedjebo. Toute personne qui a un problème, dès que vous regardez la vidéo, vous appelez sur mon numéro et on va voir ce qui ne va pas avec vous. D'ici quelques moments, vous allez parler de l'année qui ne va pas chez vous encore. Et l'année va changer dans votre vie.